de mots en sa défense. Et que pouvez-vous dire Taisez-vous. Mais enfin, la clarté montre notre avantage. Les morts revoient leur perte. Roger, il t'en manque un morceau. Et perds de tout courage. Je vais peut-être y aller aussi, moi. Mais plus un mot. Oh, elle avait une poitrine superbe. Blanche, ferme, grasse, rose, peut-être une tentante de faire passer des frissons sur tout le corps. Madame nous permet d'habiter ensemble, ma sœur et moi. Elle nous donne de petits objets dont elle ne se sert plus. Approche. Elle irait sans peur. Et elle irait de mieux en mieux et de plus en plus volontiers. Ce soir, c'est moi qui vis. Je vous l'enlève parce que vous m'écoutez pas. Le droit. Je me réveillais avec la sensation que je ne me trouvais pas seul dans ma chambre. Mais j'étais seul pourtant, mais je ne parvins pas à me rendormir. Et comme je m'agitais dans une fièvre d'insomnie, je me levais pour aller caresser la chevelure. Au lieu de leur parler de sexe, nous allons leur montrer. Hein? Quoi? Bon. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Où vais-je vous larguer, dindon? Dans le flanc, sous votre maheutre? Au cœur, sous votre bleu cordon? Les coquillotins, ding-dong, ma pointe voltige, une mouche, décidément, c'est trop peu donc à la faute de l'envoi. Je touche.